Ouais, bon, on va rester comme ça, du coup, voilà. On se remettra en Baba Yaga plus tard. Alors, on a 2 points. Fabriquer des flèches APA. Attirer et tuer des ennemis proches avec un nuage empoisonné. Faut plus de poison. Faut plus de poison. Bon, on est reparti à l'aventure. Go. Un air de déjà vu là. C'est Yellow, bienvenue. Tu veux pas ouvrir la route? Où est-ce qu'on va? Ah! Chasse, tuer, dépecer des animaux et trouver des ressources nécessaires à fabrication. Oui, je connais. Là. Une caméra? C'est une caméra X700. Ça m'en avait une. J'en étais tellement jalouse. C'est exactement ce qu'il faut pour partir en expédition à la recherche d'une civilisation oubliée ou d'un monument. C'est de la merde. Sa présence ici prouve bien que des gens sont venus dès les années 80. Même si le monde moderne se moque d'eux, certains rêvent encore d'anciennes légendes. L'objectif est fêlé. On dirait presque qu'il a reçu un projectile. Hop là. Maintenant on peut sprinter, c'est mieux. Yeah. Yes. Tada. On a des flèches empoisonnées maintenant. La détente qu'elle a quand dans ses sauts. Qu'est-ce que c'est que ça? Herboris, récupérer 5 plantes à la canopée. Wow! Bon. On retourne là, qu'est-ce qu'on fait? Comment ça se passe? Pas de mission, jungle. On a notre camp là. On a notre camp là. Je crois qu'on doit aller là-bas. Non, non là-bas. Suivre. Ouais, mais bon, suivre pour moi ça m'aide pas parce que j'ai pas la vue. j'ai pas l'instinct. Yeah.
Ah, un sextant. Au début du 19e siècle, c'est pour la navigation, cet instrument était utilisé en navigation pour mesurer l'angle entre un corps céleste et l'horizon. Trop fort. Qu'est-ce que je regarde? Genre à l'intérieur. Qu'est-ce que je fasse? Lara, aide-moi là, s'il te plaît. Qu'est-ce que je regarde? C'est pas un peu chiant. Je sais pas. C'est pas grave. Là où? Combien de gammes morts jusqu'à maintenant? On en a tué beaucoup au début. Tu veux pas prendre appui? Merde. Je viens de récupérer une araignée, dégueulasse. Bon, on y arrive. C'est un an. C'est vrai. L'enfant est... qui est tombé à l'eau. Ah, horrible. Oula. On va peut-être rencontrer des gens du coup. Est-ce que tu vas sauter? Waouh. Ah, c'est... il est violent hein, ce petit lag de transition comme ça. Parce que le jeu charge, mais on va sûrement avoir une mise à jour demain, je suis sûr. Alors. Bon, du coup, j'ai pas besoin de faire ça. On a des documents ici qu'on a dû louper apparemment. On a une relique. On a un tombeau. Je me demande si on peut se téléporter de feu de camp en feu de camp. On verra ça plus tard. Je crois que c'est la troisième partie du menu au feu de camp. Il y a une route. Allons voir ça. Youpi! Qu'est-ce qui se passe? Merde, les trinitaires, planque-toi. Merde. C'est coincé. Sois ça. Comment on va régler ce problème? Reste derrière moi. Qu'est-ce que tu fais? Recule, cache-toi. Je deviens Arnold Schwarzenegger. Oh, une seconde. Je m'en occupe. Pas besoin, c'est des alliés. Et reste vigilant. Quelqu'un devrait jeter un œil. Je m'en charge. C'est parti. Je veux que personne puisse passer. Je veux que toute la zone soit bouclée. Oui, chef. S'il y a quelque chose, on finira par... Qu'est-ce qu'il fait, Jonah? Ok, c'est parti. Est-ce qu'on récupère les objets directement? Ouais, on récupère les objets. Je l'ai pris l'habilité, ça va.
vois pas les mecs par contre. Il y en a un sur la droite, mais est-ce qu'il y en a un au-dessus? Ça remonte à quand, sa dernière révision? C'est tout rouillé. Ne laisse pas distraire, Mendes. Qu'est-ce qu'on cherche au juste? Tout ce qui bouge. Mais aussi tout ce qui bouge pas. Ils ont toujours pas trouvé cette relique. Si ça se trouve, il est tombé dessus. Je te le souhaite pas. Pourquoi pas? Tu serais un héros. Tu serais mort surtout. Tu parles d'une chance. Comment on fait? Je préfère rester là à surveiller la zone. Taisez-vous et cherchez, messieurs. Il va me voir là. Taisez-vous un peu le cul. Oui, chef. Oui, regarde pas dans cette direction. On va repartir de ce côté, voir un peu. Lara, c'est bon. De quoi c'est bon? Et le mec au-dessus, il est passé où? Jonas, c'est un piège? C'est quoi ton équipe? Je vais voir, on les paie pas pour faire du tourisme. Faut qu'on se cache là-dessous. Ouais. Le temple principal, on connaît. Là, ce qu'on cherche, c'est des ruines plus petites qu'on aurait pu louper avant. C'est bon. Mais arrêtez de parler! Vous allez vous faire repérer. Je vois pas comment on peut faire. J'ai peur qu'on le perde si on bouge. On va devoir renforcer le pont, je crois. On a du mal à trouver la tour. Pourquoi t'as pas fait un test, comme je te disais? Ah, je suis à peu près sûr qu'on a testé le pont en premier. Je t'emmerde. C'est pas de ma faute tout ça. On peut peut-être tirer dessus avec le camion. Ok. Peut-être. Laisse-moi réfléchir. On peut se les faire. Ok. Je vais m'occuper d'eux. C'est quoi ça? Plante-toi. Dev, Samy. Ah, c'est deep. Je leur ai dit de commencer par le pont. Non mais putain. Dev, Samy. Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais. Fais pas attention à moi. On est bon. On est bon. Il est parti où, Jonas? Qu'est-ce qu'il fait? Ah ah. Il tirait, il lui mettait une balle dans le ventre. Je veux pas dire, mais... Je t'arrête tout de suite. Putain. Bouge pas. Merci. Ça va? Ouais. Prends ça. J'espère qu'on sera tranquille. C'était moins une. Ouais. Qu'est-ce qui les a conduits ici? Je sais pas. C'est pas exactement le genre de civilisation que j'espérais. On a ça, fusil d'assaut et le pistolet. Okay. Oh, j'ai le bras qui gratte. C'est que tu guéris. J'en viens presque à regretter quand j'étais blessé. Oh, je comprends. J'essaye très fort de pas penser à mon dos. Tu sais, ma grand-mère a survécu à un tsunami dans les années 60. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle a perdu des amis. Et sa famille a perdu son affaire. Après ça, elle pressentait les catastrophes. Les éruptions volcaniques, les tempêtes. Et d'autres Jonas, choses. Jonas, recule-toi. Brûler la barrière. Mettre le feu à quelque chose à la place de tirer des flèches de feu. Pousse-toi! Super. Ça a marché. Ça le fout. Allez, on avance. T'as une idée de ce que pourraient être les jumelles de l'énigme? Ça peut être plein de choses.
Deux monuments, ou des montagnes, des rivières. J'imagine qu'on saura quand on verra. Ouais. Dans le trailer de l'E3, moi c'est le seul... Je vois des gens plus bas. J'espère qu'ils sont sympas. Je vais te laisser faire la causette. C'est le seul trailer que j'ai vu. Il faisait comme quoi la boue c'était du gameplay, mais au final elle le fait automatiquement quoi. Enfin c'est pas du gameplay du tout. Bonjour. Vous connaissez un endroit pas loin où on peut passer la nuit? Comment vous avez atterri jusqu'ici? Vous avez perdu votre groupe de touristes? Non, non. D'autres gens sont passés avant vous, ils cherchaient des artefacts. C'est vos amis? Les Trinitaires. Absolument pas. Je ferai volontiers une pause. Suivez-moi. Je suis vraiment désolée de poser autant de questions, mais le seul hôtel de la ville, c'est chez moi. On n'est jamais trop prudent. Au fait, moi, c'est Jonah. Abby, Lara. Je vous en prie, asseyez-vous. Carlos, 3. Et donc, vous êtes là pour quoi, exactement? Bah, on suivait une énigme quand notre avion s'est crashé. Crashé? Ouais. Et vous vous en êtes sorti sans une égratignure? Oh, bah, faut dire, on volait assez bas. Hein. On est à la recherche de ruines Maya, en fait. Maya? Mais vous savez que vous êtes au Pérou, là. Oui. Ouais, longue histoire. Ah. Merci. Mais vous avez pas franchement une tête d'archéologue? Non, c'est elle l'archéologue, moi je fais la popote. Vraiment? Ouais. Vous avez déjà essayé le ceviche local? C'est notre spécialité. Faudrait trouver du poisson dans la jungle. Vous avez raté notre célèbre arbre à poisson. C'est où, cette photo? Au Mexique. Pourquoi? Je crois que j'ai déjà vu ce symbole. Où ça? Il y a des ruines, pas loin, et un petit rocher où on peut voir un truc qui ressemble à ça. Ça vous ennuie si je jette un coup d'œil? Non, je vous en prie. Mais je vous garantis que c'est pas du Maya. Mon peuple descend des Incas, et en est fier. Oh, et si tu te reposais un peu? T'es sûr? Je t'ai promis un jour de repos. Je vais pas cracher dessus. Amusez-vous. Toi aussi. Bizarre. Ami, collègue, elle est géniale. Donc vous êtes pas... Oh, non. Non, pas du tout. Non, je suis... célibataire. Intéressant. Faites comme si j'étais pas là. Alors toi, tu es Inca? Non, pas moi. Mes ancêtres, il y a très longtemps. Ensuite, ils ont été Quechua. Et encore après, ça se complique. Regardez Lara comme elle la fixe. Ouais, c'est énorme. Hawaï et Nouvelle-Zélande. Où tu te sens le plus chez toi? Partout ou nulle part. Nunca en mi vida lo había visto tan nerveux comme moi. Regardez la folle. J'ai eu ma licence de pilote à Lima, mais quand la compagnie pétrolière... Je vais te déchiqueter. Je vais t'arracher la gorge. J'ai décidé de rentrer. Ah, je vais te défoncer. Ouais. Tu touches pas à mon Jonah. Ah, je vais te massacrer. T'aimes bien le foot? C'est votre sport national, non? Ouais. C'est énorme. Vraiment le temps pour ça. C'est peut-être mieux comme ça. Le foot, c'est sympa, mais... Le rugby. Je sais que c'est censé être sérieux, mais bon, quand même, là, c'est drôle. Compte sur moi pour te faire changer. Es nueva aquí. Acostúmbrese a no hacer nada. Aunque beber y sudar ayuda a soportar el día. Vous n'êtes pas du coin? No, trabajo en un barco que golpeó unas rocas a las afueras de la ciudad. La tormenta llegó de la nada. Hundió el maldito barco. Je comprends très bien le français, bravo. Ça, c'est un secret. Quel secret? Quel secret?
¿Quiere negociar? Oh. Ah, hola. ¿Forma parte del equipo de excavación? No, je ne fais que passer. Bien, si necesita algo, el mercado está en el centro del pueblo. ¿Podría abastecerse antes de continuar? Merci. Fue un placer. Je veux pas dire, c'était une très très bonne option de pouvoir mettre genre les langues locales. C'était vraiment bien. Dans le principe, c'est super cool pour l'immersion. Mais ça fait tellement con quand elle répond en français. Oh la vache. Ça fait tellement débile. Le français, langue universelle. On parle le français au Pérou, on parle le français chez les Amazones, partout. Llevo dos años tratando de reunir valor para invitarla a salir. Por fin lo hago y... ¿Quién es ese tipo? Ah, c'est mon copain. Et où ton feu de camp? C'est ça? Non, c'est ça. Pourquoi on doit mettre des planches, sérieux? Dieu merci, la tempête a presque épargné le village. L'épicentre était plus proche de l'avion. Mais ça aurait pu être bien pire. Qu'est-ce que j'ai fait? Et si le séisme frappait ici? Des centaines de gens mourront. Je dois trouver un moyen de l'empêcher. Appliquez de la boue pour vous camoufler. Ah, ça y est, elle est quand même disponible, cette habilité. J'avais vraiment peur que ça soit seulement pour... Enfin, genre les cinématiques, elle le fasse automatiquement. Diminue la détection par les ennemis en bougeant dans les espaces dégagés avec de la boue. Ok. Faudra débloquer ça. Ah non, mais elle l'a déjà. Elle l'a... Ok. Mais elle le fait automatiquement, alors. Elle le fait automatiquement, je pense. On verra en combat. On verra en combat. Bon, ça m'embête de pas pouvoir être Baba Yaga. J'ai vraiment envie d'être Baba Yaga, moi. Voyage rapide. Ah ah. Défi tombeau. Ah ah. Attends, il y a document, fresque. D'accord. Ok, là ça me dit rien qui va être. Est-ce que je peux envoyer le grappin comme dans le deuxième? Ou alors là, non? Yes, yes, on peut. Tada. Deux. Mais pourquoi t'as lâché? T'es conne ou quoi? Oh, putain. Ok, on est bon. Voilà, là, voilà, là c'est bon. Là ça marche. Mais... Ou alors je le fais... C'est pas ça qu'il faut faire peut-être. Faut aller plus haut.
évidemment. Il fallait aller plus. Putain. Ça aurait pu très bien marcher, mais le jeu voulait pas. Comme à l'atterri, c'était bizarre. Waouh. Sac à dos d'explorateur indique l'emplacement des cryptes, des coffres à trésors et des caches de survie. Okay, donc on a du document, des fresques et putain là, une cage de survie. Okay. Alors, dans les anciens jeux, j'aime bien quand elle est comme ça là, la classe. Non, par contre la tête ils l'ont loupée. Hein. Je suis désolé, mais triple A ou pas, la tête de Lara Croft elle est très très bizarre. Hein. Regardez ses yeux, on dirait une droguée. Non? C'est moi. Je sais pas, mais elle est pas. Bref. Normalement, on devrait pouvoir trouver de nouveaux pouvoirs, je crois. Comme les anciens. Monter, descendre, je ne sais pas. Comme ça. Tu veux pas tourner? Comme ça. Évidemment, t'es pas vraiment où il faut, mais ça passe. Cet engrenage date du début du XXe siècle. Ça ferait limite jeu d'horreur, là. J'aime bien. C'est peut-être Fossette et son teint de pain rassis qui attirent toute l'attention, mais je sais que son temps est compté. L'histoire ne retiendra qu'un seul nom, et c'est celui de Timothy Walker, l'homme qui découvrit la cité perdue d'Eldorado. Nous avons installé notre campement dans un canyon, et le trajet fut pour le moins difficile. Nous allons nous reposer ici quelques jours pour nous acclimater. Quelques-uns d'entre nous ont besoin de se soigner, et je ne dirai pas non à une bonne nuit de sommeil. La jungle monte à la tête des hommes. Ils jurent que quelque chose s'est aventuré dans le camp la nuit dernière. Je me tue pourtant à leur dire que nous sommes près du but et que nous devons tenir bon. L'un des éclaireurs a trouvé une sorte de temple un peu plus loin. Nous allons construire des ponts et des échelles ce matin, puis nous quitterons le camp cet après-midi. Cool. J'irai voir Goldo. Pour sa tête, c'est peut-être pris un arbre. Elle s'en est pris énormément au début du jeu. Des arbres, des murs, des voitures. C'est peut-être pour ça, exact. Pas faire un feu, je voudrais bien sauvegarder en fait avant de continuer. Apparemment non. Qu'est-ce que c'est que ça? Là. J'aime pas trop ce truc. Comment? Attends. Qu'est-ce que c'est que ce machin? Ça va mal finir! Ça va mal finir cette histoire. Qu'est-ce que je fasse? Là? Ou ça. Bon, ça, si elle tombe, elle se pète pas la gueule, donc on va autant tester. Non. Pas ça. Non.
Bon, elle veut pas aller à droite apparemment. Tout va bien. Bon, on va à gauche. J'ai appuyé, bordel.